Bilka. C'est-à-dire fourchette en russe. Mais j'ai un peu de mal à trouver des mots russes maintenant. Alors, où on en était? Ah oui, on avait aidé les rebelles. J'ai même les rebelles qui rôdent près du Dakota. Alors, Arthroska, ministère d'admission, bulletin officiel. Un agent infiltré du ministère de l'information était compromis. Le ministère d'admission a proposé des services afin d'assurer la liaison. Attendez-vous un passage en cours de journée. Ah oui, je crois qu'il y a un inspecteur qui passe, il me semble. Pour voir si je fais du bon travail. Ouais, un truc comme ça. Ah, bah le voilà. Non, lui, c'est le garde, lui. Salut. C'est vous l'espion? Bah non. Je travaille comme garde ici, je m'appelle Kalinsk. Mais premier à mon poste, c'est moi ici, retiens comme moi. Voilà comment je suis remercié. Voilà, on lui offre un travail et il n'est pas content. Maintenant, il me paye des clopinettes. Tu sers l'État, monsieur. C'est votre plus grande gloire. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Justement, écoutez un peu. Je touche une petite prime quand vous placez les gens en détention, c'est ce que je vous disais. Plus il y a de détenus, plus il me paye pour m'en charger. Ce n'est pas très juste, vous aussi devriez toucher quelque chose. Je commence à t'aimer. Alors j'ai une solution à proposer. Je vous donnerai 5 crédits de ma prime tous les deux personnes placées en détention. Ça me paraît honnête. Un peu plus serait bien. Je donnerai l'argent quand j'aurai touché ma paye. Et si on veut tirer le meilleur parti de cette situation? Ouais, donc plus je mets de monde en détention, plus je gagne de l'argent. Allez hop. Alors. Putain, la gueule qui se paye lui. Il est à motif de votre voyage. Ma présence est requise. Ok. Passe diplomatique, William Snell. Tout me semble bon, monsieur. Import, c'est ça votre blague, votre blast tout pourri. Ouais, c'est ça. Et on c'est chez vous. Allez hop, c'est bon. Monsieur, j'approuve votre entrée. Vous irez à l'Assemblée nationale et vous allez nous péter les couilles. Papier. Ojaskovna Lina. Alors. Tu viens d'Orvec Venor, c'est bon. Le poids ça va. Fessé. Ok, j'accepte. Attends, Burton. Oh, mais y a aucune préfecture. Non, c'est bon. Quoi, Astroska? Merde, j'ai pas regardé son genre, j'espère que je me suis pas planté. J'ai très peu de temps. Vous devez garder ça. Protégez ces documents jusqu'à demain, je suis suivi par un imposteur. Il prétend travailler pour le ministère de l'Information, mais c'est un mensonge. Si vous donnez des documents, donnez-lui ceci à la place. Ne les mélangez pas. Les habitudes reproductrices des couleurs des colvernins de Koléchi. Il veut que je lui donne ça? Eh ben je lui donnerai ça mon gars. Je me rappelle plus en fait pourquoi. On verra bien. En fait je sais plus lequel est le bon. Oh je lui filerai un autre. Alors toi aussi. Diplomatique, donc elle peut aller en Arthroska donc c'est bon. Intégrie. Ouais c'est bon. Alors Charline Garcia. Oula. C'est toi ça? D'accord. Oh la grue, c'est bon. Ouais, tout est bon. Allez, dégage. Enfin, je veux dire, tu peux rentrer. Tapir! Je passe par là, c'est tout. Il manque pas un truc, putain, je sais même plus ce qu'il faut. Je restais à peine 2 jours. Ouais, il manquait un truc là, donc c'est quoi? Ah non, t'as pas besoin d'armes, non, j'ai rien dit. Alors, Robert Joseph, et le gros Robert! Yerko, c'est bon. MDR, j'ai pas l'impression que son bordel soit bon par contre. Ouais, il est pas bon, vous voyez? Ah si, non, il est bon.
Attends, ça c'est pas bon ça. Elle Robert, quelle merveilleuse bouillotte. T'es dans Bad Taste, vous l'avez vu les gars? Un des premiers films de Peter Jackson, avant qu'il fasse Le Seigneur des Anneaux. Avec merde, comment s'appelle l'autre film? Braindead! Avec Lionel! Moi je veux aller au zoo avec Paquita! C'est où tes papiers, tête de bite? Vos papiers? Je travaille pour le ministère de l'Information, vous avez quelque chose pour nous? Ah, pas mal pour cet argent. Tiens, je vais te donner ça. Je lui ai filé le mauvais truc, il me semble. Parfait. Il m'a filé de la thune, vous avez vu? 10 euros en billets de Monopoly. Papier, s'il vous plaît! Motif de ton voyage, je suis en transit. Putain, transit de 14 jours, il se fait pas chier. Tu viens d'où, toi? Au Bristan. Oui, merde. Ah, mais putain, c'était au tout début. Attends. Au Bristan. Attends, c'est une femme, elle? Seriously, t'es une femme, toi? Ouais, ok. 23-12, ouais, ça c'est bon. 26, c'est bon. Ouais, on va dire que c'est bon, j'ai la flemme de regarder. Ouais, j'y vais au talent. Je pensais que je lui ai filé l'argent. En fait, j'ai même pas regardé son nom. Oh putain, c'était sûr! Ah merde, d'expiration. Ah, fais chier. Papier, toi, espèce de grosse conne. 1m52. Oh, t'as un nain, quoi. Vudovska. Vuskovska. Machin, ouais. Alors. On dit format, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Mais il faut regarder la date de naissance aussi. Alors avec Venor, c'est bon. Normalement, devrait bientôt passer le mec pour te dire combien t'as fait de fautes dans le mois. Merde. Oui, combien tu as fait de fautes dans le mois. Et te remet généralement une espèce de diplôme. Enfin, vu le nombre d'erreurs que j'ai, je pense pas que je l'aurai. Je passe par là, c'est tout. Ok. L'autre, il vient de Kolechi, Sirovski, Dimitri, sans I. D'accord. Je pense que c'est écrit comme ça en. Oh merde. Toi, ça s'est expiré en. En Russie, non, c'est pas Dimitri. Ceux qui ont été expirés, je n'ai pas pu venir avant. Bah voilà, bah tu dégages quoi. Tiens, tu vas faire un transit ailleurs. Ouais, donc le mec va venir nous finir notre diplôme. Oh putain, la tronche qui se paye. Je dois prendre part à des discussions diplomatiques. Serge Pokor. Ah ouais, mais Fédération Unie, c'est pas ça, mon gars. Je suis sûr que c'est faux, ça. Ah non, c'est bon. Oh, t'as eu de la chance. Antegrir, Koska. Pokor, Serge. Merde, j'ai pas regardé. Moi, j'ai le temps. Crête rapide. Ah oui, c'est chez nous. Ouais bah tout est bon. Mais ne prenne pas les discussions diplomatiques. Ouais tu viens te saouler la gueule chez nous. On va passer demain à 6h. Ah merde je suis planté. Préfecture d'émission. Ah merde putain. Ah je me suis viandé. Chier. Ah j'ai fait le con putain. Non mais les mecs ni nourriture ni chauffage les gars j'ai besoin d'argent. Alors, jour 9, la Kolechi élimine ses propres agents. De fausses preuves à l'origine d'une erreur de jugement. Donc c'était vraiment... Le premier était donc bon, le premier était donc un mec qui bossait pour l'Artrotska. Et j'ai filé les faux documents qu'il m'a filé à l'autre. Donc l'autre était bien le traître. Donc le premier avait raison. Alors... Inspecteur, l'autorité visionnaire des opérations de Grestin-S vous rendra visite aujourd'hui. Maintenant un comportement irréprochable. Bah c'est ça, le Vlav, vous voyez, il arrive. Espèce d'inspecteur. Il va me dire si je suis bon ou mauvais. Allez, amène-toi. Oh putain, c'est bien soviétique. Bon, plutôt. Vous êtes inspecteur ici?
Vous êtes donc sous ma responsabilité. Vous avez reçu 11 11 réprimandes. C'est peut-être une erreur de se remettre à la loterie. Puisse ceci vous motiver. Accrochez-la sur le mur ici. Je repasserai dans 10 jours. Ne me mettez pas dans l'embarras. Gloire à l'Arsoska. Voilà, mystère d'admission, reconnaissance pour suffisance. À accrocher au mur. Donc il m'est arrivé une fois dans une partie d'avoir le cadre doré pour être excellent, quoi, pour avoir été excellent. Allez, en avant. Oh putain, comment elle est? On croit qu'elle a une capuche en dessous et derrière. C'est un peu bizarre. On t'est mis en arthrosca, bah voilà, pff, les immigrés prennent notre travail. Hein. Mayala comme Boyska. Oh bah attends, ça c'est pas ta gueule. Cette photo ne vous ressemble pas. Je sais pas quoi vous dire, c'est pourtant bien à moi. Ouais, bien sûr, tu sais. Tu vois, je préfère déjà le tampon rouge. Mayak. Ah merde, c'est elle en fait. Mayak Voiska. Bon, t'as de la chance. Ah, il faut savoir que si vous ne demandez pas l'anomalie, si j'aurais mis un tampon vert comme ça, directement, sans chercher à avoir surveillé si c'était bon ou non, ça m'aurait mis une erreur. Je vais bien travailler. Ouais, ok. Suzanne Gukevska. Ça c'est bon, ça c'est bon. 12, 10, c'est bon. Femme. 31, 12. Non, c'est bon. Alors, import. Import. Il faudrait que j'aille un peu plus vite quand même, parce que là j'en chie un peu. Suzanne Gukevska. Beaux-Arts, ouais, allez, tout est bon. Je regarde pour le tampon, je pense que c'est bon. Hop. Non, les Beaux-Arts. Est une bobo gauchiste qui va nous faire de l'art moderne, l'art contemporain. Papier, il te manquait un truc, toi, espèce de conne. Alors, c'est quoi? Putain, oui, mais t'as. Vous n'avez pas de permis d'entrée. Je n'ai pas pu en obtenir un. Eh écoutez, aujourd'hui, je n'ai pas pu obtenir de prime. Comme quoi. Non, je ne partirai pas. Eh écoute, merci pour l'argent que tu vas me donner. Retardez tout le monde, madame. Je refuse, vous n'avez pas le droit de me toucher. Pas dans la rue! Je suis une vraie tigresse, vous savez. N'approchez pas, j'ai parfaitement le droit d'entrer. Vous ne prenez pas au sérieux, mais je ne demande pas une tigresse. Énorme! Il a défoncé le crâne. C'est donc ça, les fameuses femmes fortes. Bah putain, un coup de crosse, plus rien. Allez, papier, please. Sébastien Payne. En fait, je peux le mettre là, c'est bien. Alors, Sébastien Payne. Tu viens de Gristin Est? Ah oui, alors on est désolé, je connais pas Gristin Est. Tu te fous de ma gueule, gros con? Je vois pas du tout de quoi vous voulez me parler. Eh ben écoute, parle-en à ce gentil monsieur qui vient de foutre un coup de crosse à une dame. Il va te foutre un coup de crosse dans les couilles. Plus d'héritier. Allez, donne ton papier, toi. Visite. Putain, une visite de 2 mois. Ah non, pardon, madame dit 60 jours. Madame est éduquée. Andrea Strat. Putain, non. Sradesteka. Elle vient de l'Esrenadi. Attends, merde, c'est d'où ça, la République? L'Esrenadi. Ça, c'est bon, c'est bon. Oh là là, tu te fous de ma gueule en plus, toi. Putain, j'ai gagné plein d'argent. OP. Arrêtez là! Freeze! Not move! C'est une erreur, je suis sûr que ce document est valide. Moi aussi, je le pense. Tu vois, tu viens de me faire gagner 5 ans d'argent. Les schrat, c'est-à-dire dehors. Ah! Le mec de. Nos agents sont prêts. À partir de demain, laissez-les passer. Alors, vous voyez, vous mettez le truc. Attends, attention qu'il faut mettre. Voilà. Je vais donc laisser passer Stéphanie Greer. Bon, pas que j'oublie, hein. Je suis bien du genre à oublier. Ok. Suivant! Oh non, elle fait pas partie de chez nous, désolé. Je suis en plus, elle l'a juste oublié.
Elle est où la carte d'identité? Oui, oh, voici le document demandé. Grosse conne. Ouais, je suis sûr que c'est bon. Quand on demande déjà un autre truc, à mon avis, c'est bon. Voilà, Strauss-Kahn, non, tu fais pas partie de chez nous, toi. Jimmy, on a... Oh, bah voilà. Qu'est-ce que c'est que cette politique de tolérance? Elle vient d'où, elle? Import. Import-export. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Cody Daviska. Ouais, tout est bon. Merci de repeupler l'air Soska. Ah, il faut du monde dans les goulags, hein, madame. Oula, on a fait suivre un acier avec ses couettes. Oula, tout ce qu'il faut faire des calculs, 8 semaines. Oui, 2 mois, c'est bon. Christina Pitkanova. Alors, naissance là, France, France. C'est une femme, pardon. Ouais, c'est bon. Allez, dégage. Quoique, attends. Ouais, non, c'est bon. La merde. Oh non, merde, je voulais les mettre entrée. Oh non, quel con. Oups. Ah oui, mais espèce de con. Oui, bah je le sais que j'étais en règle. Enfin, qu'il était en règle. Oh, mais merde, putain. Mais qu'est-ce que t'es, espèce de con, la Barcousse Thomas? Genre, toi, tu fais 1m82? T'es gaulé comme Tom Pouce, t'es. Merde. Putain, mais fais chier. Quelle histoire, c'est chez nous. Oh, mais attends, mais c'est pas ta gueule, ça. Oh, toi, toujours t'arrêter, toujours défoncer la gueule. Votre visage a changé. Je ne sais pas quoi vous dire, c'est pourtant bien à moi. Oh putain, c'est lui en plus. Je vais être obligé de l'accepter. Tiens, sur le con. Laura Strauss-Kahn, ouais, vas-y, dégage. Quoi? Empreinte différente de celle archi. Bah, c'était pas ça qu'il y avait écrit. Oh là là. Oh, je suis à la masse. Mais t'es pas un mec, toi. Là, je me disais bien. Mais t'es un homme ou une femme? Je suis un hélicoptère de combat. Putain, mais j'avais cru pourtant que c'était bon le truc des empreintes. Je me suis bien fait avoir. Ok, donc il a une bite. Pardon, monsieur. Ils sont quand même vachement une femme, quoi. C'est bon, je suis pas planté. Ouf. Bon. 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 Votre fils est malade, putain, piquez-le, quoi. Je regarde quand même la belle-mère et l'oncle. Allez, c'est parti. Alors, cambriolage au ministère des admissions. Dégâts limités, peu de matériel dérobé. L'intégrité espionne ses propres citoyens. L'auteur des révélations en fuite. Bah écoute, c'est le propre de chaque pays, désolé. Faut bien surveiller les petits turbulents. Ah, y'a un mec qui va venir me dire bonjour. Alors, un cambriolage au sein des bureaux du ministère et des admissions a potentiellement compromis nos plaques de sceaux de documents. Rien d'important n'a été volé, mais les renseignements laissent entendre que des faussaires ont déjà commencé à falsifier des documents officiels Artsox. Ah putain, c'est chaud à dire Artsox. Donc oui, donc là, en fait, putain, en fait, tout ce que je faisais, ça servait à rien. C'est maintenant qu'il va falloir vérifier les sceaux. Parce que les mecs ont volé les sceaux, donc les sceaux, c'est... Bah, c'est les sceaux 6! Les sceaux, là, quoi. Donc je suis sûr que je vais en avoir un dès le début. Il faut que je fasse passer Stéphanie Greer. Oh putain, avec ta coupe au bol. Je ne fais que visiter. Ah oui, déjà, il est faux. Permis d'entrée, le sceau est faux. Ce document est un faux. Tu vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Ah, écoutez, moi non plus. Qu'est-ce que c'est? C'est pas dehors, c'est dehors que je te fous une balle. Bon, faut choisir avec Stéphanie. Oh, salut, Gigi! Salut, ami!
Ok, aujourd'hui c'est grand jour. Regarde, plein papier tout bon. Pas facile, hein? Pas donné aussi. Mais qui t'avoue qu'il a fait un. Ah putain. Alors, qu'est-ce qu'il y a de faux, Georgie? Georgie. Et tout est bon. Attends, y'a quoi qui est faux là-dedans? Alors, on est le Scal, celle de Bristan. Bristan, c'est pas Scal, si. Bah, tout me semble bon, ça qui est. Ouais, ça doit être bon, allez hop. Tiens, Georgie, tu peux rentrer. Ok, toi, super! Astroska, super! Tiens, prends, prends! Du coup, je gagne une petite médaille. Ah, en fait, c'est chiant. Ouais, t'es en règle en plus, Georgie. Oh putain! On croirait l'autre con là! Le mec de la CGT! Comment il s'appelle, l'autre chiasse là? Ah putain, comment il s'appelle? Philippe Martinez, putain, il a la même gueule quoi. Oh, toi, t'entres pas, mec. Ok, alors lui, il a même pas de sous. Alors, monsieur Philippe Martinez, où étiez-vous? Au barbecue de la CGT? Merde, j'espère que c'est pas Stéphanie Racine. Grère, putain. Voilà. Ah! La route qui va me filer mon argent. Bonjour. Vous avez placé 5 personnes en détention. Allez, file-moi ma thune, connard. La prime est bonne, il paye bien. Ouais. Eh, c'est pour la somme convenue, espèce de gros con. Oui, je sais. Ma femme est malade en ce moment, un voisin a répondu la grippe. Bah là, il fait pas chier, ça fera une bouche de moins à nourrir. Est-ce qu'il me reste après avoir payé les médicaments? Je donnerai le reste la prochaine fois. Oui, bien sûr, oh, je te crois, attends. Vous essayez de placer en détention plus de monde, ce serait plus facile. Oui, oui, bien sûr. C'est toi que je vais foutre en détention, ouais. Tapier. Ruzanov Radon. Ruzanov Radon, j'ai une histoire à ça, je me rappelle que c'est y est. Regardez, il fait 1m76, 62 kilos. Nanana, 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 micro. Nanana, nanana, nanana. Encore de la grande musique française, désolé messieurs. Essayez de ne pas chanter du Joule. Chiquita. Ah, putain, maintenant je l'ai en tête cette merde. J'ai même pas regardé en fait tout ce que je lui ai filé. Voilà, on croit un petit prof ça. Immigration. Oh désolé mais c'est tolérance zéro monsieur. Qu'est-ce qui te manque au fait gros con? Mec s'est cru dans l'Union Européenne, tu sais. T'as cru que les frontières c'était du beurre, monsieur? C'est obligatoire? Bah oui, gros con. Mec s'est cru dans l'espace Schengen. L'ordre c'est tout. Oh, ça ne met pas merde. Merde, c'est lui, Stéphane Machin. Parce que l'ordre c'est eux, c'est les ZIC, non? Merde. J'espère que c'est pas le bon. Cabatenia. Ça se fait le nom d'une maladie si on croirait. Cabane Ténia. Ouais, je pense pas que tu sois une femme. Êtes-vous une femme? Comme c'est écrit sur le document. Bah écoute. On va voir si t'es une bistouquette ou pas. Effectivement. Monsieur n'a pas de bistouquette. Eh, tu peux rentrer. Papier. Transit. Oh, la grue, c'est en enterrie. Ouais, il me semble que c'est en enterrie. Agesson Peter. C'est Peter!
Ouais, c'est bon. Je regarde même pas. Avec ta barbe, tu ne peux être aussi... tu ne peux être aussi bon que le Père Noël. Ah putain! Sale terroriste! Permis d'entrée falsifié. Premier agent refusé. Mais merde, putain, je croyais que c'était le bon! Si on viendrait en 3 jours, n'en faites pas la même erreur. Bah, c'était pas le bon, lui! Je me suis viandé. Ils doivent se dire. Merde, il est con le mec qu'on a pris. Oui, bah je devais aider les terroristes, mais bon. Enfin, les traîtres, pardon. Ah, c'était ça, c'était peut-être ça, Michael. Ça va, teuf. Ah oui, putain, c'était lui. Je compte rester 14 jours. Mais. Pff, il a même pas son truc. Bon, bah, à mon aide des rebelles, c'est un peu soldé par. En fait, je travaille pour le gouvernement, n'est-ce pas? merde, c'est où? Ah oui, non, mais c'est le passeport qui manque. Putain, je me suis vraiment viandé, quoi. J'en étais sûr, en plus. Ils m'ont pris mon passeport. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Que j'en ai rien à foutre. T'as cru que j'étais quoi? L'abbé Pierre, tiens. Hop. Bon, ouais, je me suis bien merdé, en tout cas. Chier, putain. Dans 3 jours. Un type bizarre a apporté de l'argent. Décoché pour le brûler. J'ai bien envie de l'accepter, mais je suis sûr que j'aurai la faim. Je vais me faire tuer quoi si je l'accepte. On va l'accepter pour rigoler. Histoire d'Arsoska, en image et en mots. Surtout en mots, ouais. Ah putain, y'a un mec qui arrive, je sais qu'il va me défoncer. Ah tiens. Bonjour, inspecteur. Tout va bien pour vous aujourd'hui, hein? J'aurais juste quelques petites questions. Ministère de l'Information, Bureau des Enquêtes, Division de Grestin Est, enquêteur spécial, Monsieur Venel. Nous pensons qu'un groupe suspect cherche à semer le trouble. Nous pensons que les membres de ce groupe sont entrés par ce poste frontière. C'est pourquoi nous venons, pardon, discuter un peu avec vous. Avez-vous déjà vu quelque chose dans ce genre? C'est une sorte de symbole pour ce groupe. C'est des informations, vous nous les communiquerez, n'est-ce pas? Oui. Ah, je suis désolé, mais il est pas très ressemblant. Alors, il faut savoir que la première fois, je lui ai filé ça en lui disant ah ouais, je me suis planté. Enfin, ils sont venus me filer ça. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Vous êtes trop honnête pour être. Non. Oui, enfin, en gros, c'est à peu près ça. Vous êtes trop honnête pour être trop honnête. Pour être honnête. Et donc, en fait, le jeu se termine et il vous tue. Ou vous êtes au goulag ou une connerie comme ça. Bon. Dernière journée pour aujourd'hui. Papier s'il vous plaît, quel est le motif de votre voyage? Je suis en transit. Merde, je vais l'accepter sans même regarder. Alors, tout ce qui a permis d'entrer. Ouais, c'est bon. Du coup, il va falloir que j'attende 2 jours avant qu'ils reviennent. Oh, fais chier, putain. Antégris. Antégris. Gloriane, ouais, c'est chez vous. Gloria. Gloria. Oh, vas-y, ça me fait chier de chercher. Mais... 14, 12. Ouais, c'est bon. Je pense que c'est bon. Allez, dégage. L'entrée n'est pas garantie. Captez ça, les mecs. Salut, crâne chauve. Oh putain. J'ai un boulot ici. Ouais, mon cul, tu sais. Mathias Olsen. Koriska City, tu viens d'où toi, Fédération Unie? Koriska City, ok c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Est-ce que c'est bon ça? Non mais ça c'est plus bon de toute façon. Qu'est-ce que tu me fais chier? Il est plus bon votre titre. T'es pas autorisé à travailler ici. Je dois la renouveler bientôt. Ah bah d'accord, ah, écoutez. Si vous devez la renouveler bientôt, il est hors de question que je vous mette un tampon rouge. En fait, je suis daltonien, désolé, j'ai oublié de vous le dire. Au revoir. Ah, puis prends-le avec le sourire, quoi.
C'est ce qui se paye le mec. Anegovich Mesov. Vessilio, Vessilio c'est chez nous ça? Ouais. Et ah, alors attends, Anegovich Mesov. T'es bien né ça, t'es bien un mâle. 1m86, 11 kg. Avec Venor, ouais. Ouais. Voilà un gars bien de chez nous. Allez. Vous payez beaucoup de monde pour passer ici, n'est-ce pas? Je suis à la recherche d'ingénieurs. Vous pourriez peut-être me rendre service. Donnez ma carte aux ingénieurs que vous rencontrerez. Je repasserai en quelques jours. Je vous paierai 5 crédits par ingénieur qui l'aura appelé. Oh, cool! Je fais semblant d'être surpris, mais j'ai eu la quête avant. Papier, toi! Il est où je vais casser ma coffre? C'est ma job, putain, qu'est-ce que je raconte? Landy Forma. Ouais, c'est bon. Paradisna, c'est bon. Femme. Elle est longue 7,9, 1m62, 58. Elle fait 5m62, elle? Ouais. Non, bah c'est bon. Tenez, madame. Désolé, mais elle n'est pas ingénieure. Oh. Oh putain, t'es pas ingénieur, espèce de con. La moitié de l'année. Ok. Oh, déjà c'est 2 mois donc tu dégages. La moitié de l'année. Il est peut-être en année, je ne sais pas quoi, mais. Une année. La moitié de l'année de 2 mois. On va aller faire une demi-semaine de travail. Hein. Je viendrai un jour. Papier, s'il vous plaît. Oh putain, tout un putain de diplomate. Fédération Unie. Ouais, t'as du cul. Oh, c'est Lee Andrew. Shingleton, ok. Ah oh, putain, tout est bon. C'est bon. Allez, hop, hop, hop. Bientôt, pause café. Ah, ingénierie, parfait. Je suis sûr que c'est bon en plus. J'ai pas besoin de chercher. Tu vois, hop, hop. Qu'est-ce que c'est? Hein, ils embauchent. Oui, ils embauchent, fais pas chier. Je suis sûr que c'est bon, je vais pas rechercher. Papier, s'il vous plaît. Je viens visiter. Oh putain, une visite de 2 mois. Moi aussi, j'aimerais bien visiter les endroits de 2 mois. Nolan Barniol. 14, 12, c'est bon, ouais, c'est bon. Antegri. Saint-Marméro. Ouais, c'est bon. J'approuve. Une visite chez les amis. Putain, 12 semaines, sérieux? Une visite chez des amis. Andrew Cole. Qui est passé? Oh, tu vas se faire exploser. Pour la Kolechi! Oh. Bon. Pan, pan, pan. Un appartement de classe C est disponible. Il me coûtait cher l'appartement de classe 7. Ah ouais, il coûte cher. Moi je m'en fous. Hop. Interroge passe de nouveau la frontière, les contrôles pointés du doigt. Un nouveau directeur pour le MDA. Ça va être le bureau de recherche du truc. Enfin le bureau d'inspection j'imagine. Eh ben enfin une bonne journée. On regardera la suite la prochaine fois.